tout le chat. Tout le chat va être banni. Ok? Tout le monde. Mon ref, t'as vu que Retour Condor a parlé de toi. Il a dit quoi? Il a dit quoi, ce bon vieux Seb? Ce bon vieux Seb. Vous l'avez tant attendu. Le retour du Mbappé de la drague. T'as un copain? Ouais. On va le voir. Ouais. Je vais casser sa gueule. Si tu la prends à la légère, toute la vie c'est un théâtre. J'ai un combat ce soir, du coup, je dois pas trop me déconcentrer. Il est fort. Les touristes, c'est comme ça, c'est dans la poche. Je peux voir. Si tu hésites. Putain, j'ai envie qu'il me baise là. C'est qu'il faut y aller. En gros, je t'explique. Je suis gay. Wesh, mais wesh. En fait, faut passer à l'action et tu réfléchis après. Je suis un peu tombé amoureux. Elle a dit on t'invitera à boire un verre. Donc tu vois, ça change tout. C'est ouf. Des yeux comme ça, je peux pas les laisser. Il veut. Wesh, il y a un mec dans le chat, il a dit fini assez ferme. Aïe. Des graves cholis. Oui, c'est elle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que. Là maintenant je fais des études de sciences économiques. T'étais sur Paris. Ouais, voilà. Études de théâtre. Je faisais du théâtre, je faisais les cours Florent, puis je suis rentré à Bruxelles pour faire Sciences Éco. Voilà, je fais mes études et j'ai lancé une petite chaîne YouTube, mais t'as vu, de vlog avec un pote. On mettra le lien. Donc c'est intéressant parce que là vous allez voir vraiment, parce que ce qui nous avait tous marqué à l'époque, c'était ta maturité à 18 ans, parce que tu parles comme un sénateur. Ok, on va voir. On va voir, c'est le mec dans Ratatouille. Enfin, j'imagine que tu vas partir en impro. Donc c'est ça qu'on veut voir en fait. On veut voir de la magie, parce que c'est ça la beauté. C'est que c'est... On veut ça. On veut de la magie. Moi juste, je bégaye. T'as un snap? À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. C'est ça qui est beau. Excuse-moi. T'es pas Astrid Nelsia? La qui? T'es pas Astrid Nelsia? Astrid, vraiment pas. Ah, j'adore. Je peux faire une photo avec toi. Je suis un putain de fan. Non, ça ira, merci. C'est pas toi, Astrid. En fait, c'est un troller, quoi. Nelsia? Mais non, c'est pas moi. Mais si, attends. T'es un malade, hein. Mais wesh, tu sais qui est Astrid Nelsia? Oui, bah oui, mais c'est jamais elle. Bah ok, viens voir. Mec, elle lui met deux têtes et trois bonnets. Attends, mais... Par contre, la pote à côté, là, elle est méchante. Hein. Elle devrait dire... Elle devrait dire, ouais, Astrid Nelsia, elle GAT! Mais je parle pas de... Pas sympa, pas... hein. Elle le soutient pas. Regardez. Je parle pas une bonne pote, elle. Attends, regarde. Mec, jamais ça. Enlève ses lunettes. Mais regarde. C'est elle. Fais ta chance. À Paris, aller parler à des meufs. Non mais là, il a pas pris de numéro là. Comme ça dans la rue, c'est comme si tu lançais le jeu, tu vois, et t'allais directement au level le plus dur. Ah oui, c'est le mode hardcore. Ouais, c'est hardcore. C'est une fille qui nous a pas vu, il y a pas eu de regard de croisé. Rien. C'est la chose la plus difficile. Ok. Moi, parler français. Ok, tu trouves pas qu'on irait hyper bien ensemble tous les deux? Tu vois, ah ouais! On match de ouf, bah, regarde. Moi aussi, ouais. On irait grave bien, tu t'appelles comment? Tu t'appelles? Vous avez quel âge? 18. 18? J'ai quel âge à votre avis? 25. 22. Non. 19. J'ai eu 20 ans. Du coup, on irait encore plus ensemble parce qu'on est proches, tu vois. C'est quoi dans la vie? C'est les études. Les études? Tu travailles dur? Petit shopping et tout? Ouais. Mais il y a cours là normalement, vous faites quoi? Non, je commence demain. Ok, vas-y. Bah écoute, comme on ira hyper bien ensemble, je trouve, on match de ouf, je suis chaud, je prends ton Insta. Et puis je te parle quand j'ai le temps. Vas-y. Par contre, si on se met ensemble, faudra que t'arrêtes de fumer, je crois. Parce que moi j'essaie d'arrêter et tout, mais. Ah, tu vois, elle va m'influencer, hein. Je t'ai dit, j'essaie d'arrêter. T'as dit, c'est tout. Je vous fais des bisous. Bisous. On se capte, hein. Vas-y. Très fort, hein. Ça, c'est de la facilité, messieurs, dames. Ça, c'est très, très facile, là. C'est très, très facile, là. Excusez-moi. Vous êtes du quartier? Enfin, vous parlez français? Non. Don't speak French? What do you speak? Spanish. Spanish? Spanish. Habla Spanish. Eh? Si, si. So, I'm looking... No, I speak English better. I'm looking... I'm a bit lost. I'm looking the way to... Your heart, oh mon dieu. To your heart. Oh mon dieu. I'm looking for the way to your heart. Yeah. You know what does that mean? Yeah. What's your name? Pitié. You have beautiful eyes, just like me. Thank you. On Chidon, we have the blue eyes like the ocean. What's your name? I never heard that name. Yeah. That's beautiful, where are you from? Chile. Après, pour les touristes, elles adorent, hein. Parce que les touristes, quand elles ont l'idée de la France, c'est en mode « Oh, les French, oh, they are so romantic, oh my god,
Oh my god et tout. Du coup, en français, il fait ça, frère. Voilà. Chile. Now it's Spain. Yeah, Santiago, Ushuaia. So you do surf, a lot of surfing. I do surf, not in Chile, but. So yeah, what are you doing in Paris? Visiting. Yeah. Okay. I'm the best Parisian in all of the Parisian guides. So I need to take your number, so I can we can visit Paris together. Okay. What's your name? You didn't say your name. Put it your Chilean number, Spanish number. Now do you have Instagram maybe? Instagram. Vale, vale. Vale, si. Vale, la bella. What are you looking non, on il my... est chaud, il est chaud. Super spécial Noël, W, Ahmed Silla. Ouais, mais là, on veut rigoler, on veut pas... Je vais rester face à l'écran sans bouger, là, si c'est je ris spécial Ahmed Silla. Phone. You're looking some no, weird stuff. Yes, like the keyboard, it's different, yeah, yeah. You know? It's AZERTY. Yeah, the A is where your Q is. Ah, yeah, 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 QWERTY. And I was, like, doing it so bad. Okay, nice. Oh, you're fucking... you're a star. You're a celebrity. No, I'm see, not. You're a celebrity. I'm not. Okay, okay, okay. No, I'm not. Okay, see you, see you. Putain. See you. Bye. Non, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Easy game. Non, un truc que je voudrais dire en vrai, parce que aux gens qui regardent, parce que moi j'ai testé plat et tout, on se met une pression. En fait, les meufs, genre, on se rend pas compte, mais si vous, vous avez une vision, vous savez ce que vous dites, vous savez où vous voulez aller. En plus, il a des beaux yeux et tout, bah, physiquement, il est normal, tu vois. Mais. Genre, c'est... on peut pas dire qu'en mode, ouais, il a le beauty privilège ou quoi. Hein. C'est... Là, il est normal, frère. C'est genre, il est normal. Je peux pas dire qu'il est genre, c'est un Brad Pitt ou c'est un truc, je sais pas quoi. Il est normal, frère. Donc, en vrai, il gère bien. Hein. Je trouve qu'il est chaud, moi. Je trouve qu'il est très, très chaud. Ouais, vas-y, vas-y. Ah là, la rame, elle là-bas. Hein. Excuse-moi. Excuse-moi. Je te dérange pas. Non, il n'y a pas de problème. Non, t'étais. Ok, juste un truc vite fait. Je vais aller là-bas, donc je vais pas te déranger trop longtemps. Mais tu me fais énormément penser à ma copine, mais qui est morte il y a genre un mois. Du coup... comment ça? Du coup, voilà, j'étais assez troublé. Je veux venir te dire, tu t'appelles comment? Je m'appelle Lélie. Attends, je vais pas rester au milieu de la route. Est-ce que t'as un copain qui n'est pas mort? Non. Il est pas mort? Il est vivant. Ok, comment il s'appelle ton copain? Kevin. Kevin? Bah écoute, je vais trouver les 80 000 Kevin de France et de Navarre. Les assassiner un par un. Et comme ça, tu seras ma copine, ok? Ok, ça te dit. T'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans? Tu fais quoi? T'es une vendeuse chez Histoire d'Or. Tu fais quoi? J'avoue, elle a une dégaine en spa manager. Elle a Alexander McQueen, tailleur. Spa manager. Ah, tu fais du truc de spa. Ouais. C'est pour ça ta peau, elle est. Moi, ma peau, elle a besoin de travail, hein, comme t'as vu. J'ai une peau de mec balafré. Hein. Comme tu peux voir, mon nez, c'est un nez de boxeur et tout. Ouais. J'ai besoin, ouais. J'ai besoin de me reposer dans un spa. Bah écoute. Tu me donnes les bonnes adresses ou quoi? Bah y en a plein ici. Hein. Non, mais moi, je veux les bonnes adresses, pas les adresses des touristes. Bah... c'est quoi les bonnes adresses? T'en sais rien, tu travailles là-dedans? Non, je travaille qu'est-ce pas. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Je suis étudiante encore. T'es étudiante, t'étudies? Ouais. Ok, vas-y. Bah écoute. J'espère qu'elle va pas lui donner son Insta. Hein. Je vais respecter ton copain Kevin, mais je suis chaud quand même prendre ton numéro, comme ça tu m'envoies les bonnes adresses de spa. Comme tu peux le voir, mon visage, il est vraiment. Tu sais, je fais peur aux gens. Internet, hein. Ah, moi, je m'en fous d'internet, en fait. J'ai pas de wifi. J'ai pas de données. Ah. Ouais, je comprends. Écoute, est-ce que. T'as, comment ça s'appelle? LinkedIn. Non. Comme ça, on s'envoie des mails pro. Moi non plus, de toute façon. Passe tout, embrasse Kevin de ma part. Okay. Tu lui fais un petit check. Let's go, une meuf bien. Let's go, Kevin. La lâche pas, mon ref. Vas-y. Vas-y, passe une bonne journée. Hein. Vas-y, toi aussi. Allez, salut. Putain. Lui, c'est bon. Il est là. Regardez. Oh, lui, c'est un baiser. Lui. Je l'ai vu à Châtelet, frère. Il faisait que danser. Il dansait torse nu alors qu'il faisait moins 10, frère. On l'a dernière fois. Il touche la puissance. Oh, la puissance. Kunti, on est là. Comment tu vas? Tu l'as déjà vu ou pas dans les vidéos? Non, je l'ai vu. Lui, je l'avais vu à Châtelet. Il dansait tout nu. Enfin, tout nu, pardon. Torse nu avec de la musique à fond pendant des heures. Alors qu'il faisait froid, frère. Ta vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Ah, oui. Bah, c'est bien. What to clone. Road to Condor. C'est bien. Il est complètement fou, lui. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Covid-2, quoi. Qu'est-ce qu'il bonjour. Fait
Excuse-moi. Tu parles. Non, tu parles pas français. Non. Ah, fuck. I'm looking for my wife. And you look wifey material. So, yeah, it's so sorry. Be sorry, please. Yeah. Where are you from? Ireland. Ireland? Yeah. Fuck. So you're going to a pub, drink some Guinness no. and... Now we're staying Wait. I need to go over there, so I'm not walking with you. Okay. But how long are you staying in Paris? 3 days. Yeah. 3 days? Like, it's your first day? What are you doing? En vrai, il a de la tchatche, hein. Sacre bleu! Sacre bleu! Non, mais c'est juste qu'il a voulu pas dire que... Il est à l'aise de ouf, hein. Il est à l'aise de ouf, on peut pas dire... On peut pas dire le contraire, hein. Yet. Châtelet is not the best place to go in Paris. Why? Because that's not my favorite. Wait, come. My favorite place are in Quartier Latin, you know? Panthéon. No, you should go, okay. Give me your number and I will text you. Moi c'est Châtelet, moi. Yeah, that's a good trick. That's a good trick. No, it's legit. It's moi c'est Châtelet et on danse au milieu de tout le monde, hein. Ah oui. Legit. Uh-huh. Toi, t'es à l'aise avec les meufs ou pas en vrai de vrai? Ouais. Franchement, ouais. Wow, that's crazy. So smooth. Je vais pas faire en mode ouais, je m'en fous. Enfin. Parisian guys are. Oh my god. Really wasn't expecting this one. Yeah. You can write also. Juste, j'irai pas draguer dans la rue, quoi. Voilà. Mais ça veut pas dire que t'es pas à l'aise si tu vas pas draguer les meufs dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? My wife, okay? Okay. Of the cab! He chased you down the street, so... No, sorry, I like to flex sometimes. Okay. I need to. My doctor say you need there to flex. You need to do it in the middle of the street. When's the wedding? I just, my wife. When's the wedding? Maybe like in August next year. Okay. Nice? You have a full year of relationship in Roma. And then some honeymoon in Hawaii, okay, stuff like that. Yeah. Okay. What will you do nice. When we go back to Ireland? Parle bien anglais, hein? I will kill myself. Oh, fuck. Probably. That's yeah. It. It's pretty intense, but yeah. I wouldn't like it. Okay. Well, I'll see you one day in Ireland, maybe. Maturity chance, exactement. Bye, my wife. Trop facile parce que la vie de ma mère, les touristes, c'est comme ça, c'est dans la poche. Attends, mais là, on est grillé, c'est se retourne. Cachez-vous quand même un minimum de... Sans pas les couilles. Attends, se mets là, mais... Attends, mais cache ta caméra. Se mets là. Fuyez. Ça sera moins joli, mais... Oh, je suis allé à ce J'ai la dalle là avec Anna. J'ai la dalle, banger. Fuyez. C'est... En plus, gros c'est marrant, parce que là, vous l'avez pas vu. Parce que ça, les volets sont fermés depuis 2012. Parce que je ne sors pas de chez moi. Eh oui. C'était hors cadre. Elle était hyper belle. T'as vu ses yeux? Le hors cadre, c'était que juste avant... Ça c'était pas filmé, je lui dis, bon, si tu tombes sur des touristes, ouais, essaie ouais. de faire court parce que c'est chiant, attends. Les sous-titres, les machins, ça fait le watch time, les gens aiment pas lire, machin. Et je pense que ton... Plus c'est l'inverse, les gars, c'est l'inverse. Obliger tes viewers à lire, ça les fait s'impliquer dans la vidéo et ils restent plus longtemps. Voilà, petit conseil. Petit conseil pour tous les youtubeurs. Wesh, wesh. Les touristes encore, putain, j'en peux plus. Attends. Vous auriez pris laquelle? Ah, sorry. Wesh, attends. 1, 2, 3, 4. Tu prends laquelle? Enfin, respectueusement, évidemment. You speak French? Oh, you're a tourist. Also, where are you from? Roma. Roma? Roma. Mama, bella. Ciao, bella. Impossible. Enfin, non, c'est pas impossible. Trop facile, justement, mais... On suit les ordres du Condor qui ne dit pas de touristes. Oui, non, on veut des Françaises. Ok, ok. On veut les Françaises parce que les Françaises... Enfin, surtout les Parisiennes. Parce que ça, c'est, on veut le mode hardcore. Et même moi. Ouais, c'est vrai que les Parisiennes, c'est plus difficile que les touristes. Tu parles français? Oui. Ok, je t'ai vu, mais j'étais obligé de venir te parler, en fait. Parce que j'avais pas le choix. Avec tes yeux comme ça, ta dégaine, je suis un peu tombé amoureux, vite fait. Oui. Tu t'appelles comment? Enchantée. Ouais. Ellie. J'adore tes bijoux. Merci. Tu fais quoi là? Tu sors des cours? Non, je vais rejoindre une pote chez merci, elle. Merci, mais. Attention, mais. Tu rejoins une pote chez elle? Je suis allée acheter pour les cours. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis en... Oh là là, pas mal. Moi, je tombe amoureux. Oh là là, putain, ça. C'est super cool, y'en a rien à foutre. Des parisiennes comme ça. Non, moi, je fais sciences économiques. Où ça? Pas à Paris, du coup. Où ça? À Bruxelles. Qu'est-ce que je fais ici, t'es en week-end? Je sais pas. Non, je viens souvent à Paris, mais là je suis en week-end.
Je viens souvent à Paris, ma sœur habite là. Okay. Et j'ai pas mal de potes ici. Et maintenant, j'ai une future femme, peut-être. Non. j'arrête. Non, en vrai, je dois y aller, je vais rejoindre des potes. Mais je suis chaud, prends ton numéro. D'accord. Comme ça, lorsque je redescends à Paris ou un truc. Ouais. Vas-y. Bon, allez. Ouais, le fait qu'il soit, en gros, le fait qu'il soit à l'aise comme ça, ça la met tellement en confiance, la meuf. Ouais. T'as pas mis ton... Mais non, mais t'écris. Ouais. Toi-même, comme ça, je fais pas de faute, tu vois. Ouais. Je t'enverrai un message. Bisous, ciao. Elle a chaud carrément. T'as entendu? C'est bien, c'est bien. On veut de l'efficacité. On veut de l'efficacité. Voilà, voilà. Ça se voit vraiment hyper. Ça a vu quand il fait ça, ce bon vieux Seb. Putain. Allez, suivante proie. Ça monte pas tes abonnés, gros. Ah merde. Putain, vous êtes retourné à 3 en même temps. Je te jure, c'était un film d'horreur. Vous m'avez fait hyper peur. Pas parce que vous... Non, vous êtes hyper belle, mais vous m'avez fait peur. Non, vous êtes de Paris? Oui, pourquoi? Putain, elle a pas le temps, hein, ta pote. Non, parce que... Ok, bah vas-y, si tu veux, je marche un peu avec toi. Mais j'ai pas beaucoup de temps non plus, en fait. Bon, bah ok, tu t'as demandé ta pote, fais gaffe. Tu me laisses seule avec elle. T'es de Paris, du coup? Lou, c'est ça? Non. Je vais t'appeler Lou, je préfère. Okay. C'est un peu plus mignon. Du coup, Lou, ouais, non, je dois aller rejoindre des potes. Mais je t'ai vu là-bas et je me suis dit, Lou, franchement, ce sera ma future femme. T'as pris la seule qui est en couple depuis 3 ans. Mais justement, c'est ça, moi j'aime bien ce qui est dur, tu vois. Ah, oui, sinon, c'est trop facile, à quoi ça sert? Là, c'est pas possible. Ah, c'est vrai. Écoutez, ça c'est du. Toujours plaisir. Tu vois, tu veux pas dire un truc en retour. Putain, franchement, t'as des couilles de faire ça. Non, mais. Tu vois, les meufs. What? Je croyais que toutes les meufs se faisaient harceler dans la rue. Est-ce que les meufs dans le chat, est-ce que vous êtes déjà fait draguer dans la rue? Après, c'est vrai qu'il y a... Attends. Alors, je sais, j'ai regardé mes statistiques. Sur 81 491 abonnés, il y a 5% de meufs. 5% de meufs sur 81 000, ça fait... combien? Ça fait à peu près 4 000 meufs. Voilà. Là, dans le chat, il y en a 4, là. Là, il y a 4 meufs dans le chat. Premier degré, hein. Je pense, non. En vrai, je pense qu'il doit y avoir... là, dans le chat, on est 800. Je pense qu'il doit y avoir 40 meufs. Mais genre, après, elles parlent pas forcément, tu vois. Donc, ça veut rien dire. Parce que là, même dans le chat, vous savez que là, vous parlez dans le chat, mais il y a 80% des gens du chat qui n'écrivent pas. Donc là, ce que vous écrivez, c'est juste les 20%. Donc, regardez, parlez tous dans le chat, vous allez voir comment le chat il va défiler vite. Eh ouais, ils reçoivent des compliments comme ça tout au long de leur vie. Les mecs qui reçoivent un compliment par an. Non, mais ok, Lou, et tes potes, elles sont en couple aussi? Oui. vous êtes ensemble en fait, vous êtes lesbiennes. Non, c'est ça. Vas-y, Lou, mais je vais pas vous suivre toute ma vie en fait. Mais je te check. Merci. Et bisous à ton copain. Putain, mais les meufs en couple, c'est possible. Il y en a 3, je prends celle qui est en couple, genre. Peut-être parce que c'est la plus belle finalement. Haha, ça c'est fort. Excuse-moi. Ça c'est espagnol, ça. Non, moyenne. Voilà, espagnol. Ouais. Si. T'es de quelle origine? Je suis syrienne. Syrienne. Ouais. Ah, c'est pour ça le regard. Ouais. Le regard perçant. Merci. Magnifique. Très gentil. C'est hyper belle. Le regard perçant d'une bombe. Ah non, pardon. Je m'appelle Ellie, j'ai les mains mouillées, c'est l'eau. Je transfère pas. C'est pas grave. Mais il fait chaud en vrai. Tu fais quoi à Paris? Je m'appelle Ellie. Ellie, enchantée. Ouais. Tu fais quoi à Paris? Je suis étudiante. Ok, t'as quel âge? Ellie, ton âge, t'inquiète pas. 30 ans. Ouais, j'aime bien ce chat. Okay. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai 40 ans. 40 ans. Ouais, du coup, t'es plus jeune que moi. Merci. Voilà. Non, j'ai pas 40 ans. J'en ai 21. 21? Très bien, bon. Et t'étudies quoi? J'ai étudié Master. C'est cool. Et tu vis à Paris? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire du coup à propos de ça? Quels sont les plans? Rien. Ah, on va rien faire. Ouais. Je vais même pas prendre ton numéro. Non. Mais si, juste ton numéro. Non, Facebook. Facebook? Ouais, Insta. Ouais, Facebook. Ah, ça c'est trop simple. T'as pas WhatsApp? Non. Ah, t'es dur. Non mais je comprends, c'est la différence d'âge, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, on m'a souvent dit que j'étais plus mature. C'est très long. C'est très long la différence. Ouais. Bah écoute... C'est pas bien comme ça. Mais qu'est-ce qui... Il y a des youtubeurs, ils devraient s'inspirer d'elle. Hein. Il y a des youtubeurs, ils devraient s'inspirer d'elle. Hein.
pourquoi c'est les gens qui m'ont dit que c'était pas bien. Oui, tu as 20 ans. J'ai 20 ans, là ouais. Actuellement, je vais avoir 20 ans. C'est pas bien pour moi. C'est pas bien pour toi? Ouais. Qui a dit que c'était pas bien? Franchement, c'est pas bien. Non. Je suis désolée. Mais t'excuses pas. Moi, je te propose, tu vois, une expérience, un souvenir. Parce que la vie, elle est dure. Mais Coleman n'est pas un pointeur, les gars. C'est juste un gros taré. La vie, elle est faite, d'accord. De malheur. Je suis d'accord avec toi. Il faut discuter, d'accord? Bah oui. Moi, je dis on discute. D'accord. On est amis. Donnez le... Tu veux mon numéro? Oui. Ok, je prends ton numéro. Non, mais j'attends. Moi, je cherche des amis à Paris avant tout. D'accord. Attends, je te fais ça. On va discuter, on va apprendre à se connaître. Ah oui, voilà. D'accord. Bah, rentre bien, du coup. Elle a l'air trop gentille, la meuf. Bisous. Tu vois que c'est toujours un petit peu plus dur. Elle a l'air trop gentille, la meuf. Inox, c'est pas un pointeur, c'est un baiser de milf. Comment ça, mon ref? Vous pensez, Andrea, il a réussi? Je sais pas. Est-ce que Inox Tag, il a... Je sais pas si Inox Tag... Est-ce que Inox Tag a conclu? Après, ça m'étonnerait pas qu'il ait conclu, tu vois. Parce que, bah, quand même... pendant une semaine à lui faire des trucs, à lui ouvrir des dates et des trucs comme ça. Après, moi, honnêtement, ça m'intéresse pas. Genre, tant mieux pour lui s'il a réussi. L'inverse, je m'en beurre, tu vois. Wesh, il va gérer le gars ou quoi? Je veux pas te déranger. En gros, je faisais une interview avec un mec pour la télé, une connerie. Ok. Mais je l'ai trouvé super mignonne. Ah. Du coup, j'ai pas le choix de dire au mec, vas-y, ferme ta gueule, je finis mon interview. Je dois partir, je devais absolument pas partir. Du coup voilà, je t'appelle oui, comment? Ah merci, c'est gentil. Ok, ouais. Ça sent hyper... Inox il s'est fait sucer à une soirée source. Bon ton truc. Merci. Vidéo surtout, envoyez-la moi. Comment... C'est quoi? C'est du gel. C'est du gel? T'en as pas un peu pour moi? Droit alcoolique. Attends mais je suis... Par contre je vais aller prendre le métro là-bas. Attends, mais ouais bah ouvre-le parce que j'ai les mains qui glissent. Ok super. Tu cherches pas à savoir comment je m'appelle? Bah si, dis-moi. Non mais je vois que tu t'en fous, c'est pas non, grave. Non mais dis-moi. Non mais je vois que tu t'en fous, meuf, c'est pas grave, moi je te vois ton gel. Je m'appelle Ellie. Okay. Est-ce que t'as... Parce que je suis un joueur de foot pro. Ah j'ai pas un physique d'athlète. C'est ça que t'es en train de dire? C'est ça que t'es en train de dire? Et si tu veux on prend un ballon, on fait un match, on règle ça, on va voir. J'ai un ballon chez Oula. Moi. Mais du coup, attends, je vais y aller, mais je suis chaud pour prendre ton numéro. Comme ça, on se reparle, c'est un de ces quatre. Je veux bien, mais moi, je suis pas très de ce bord. T'es pas très quoi? Je suis pas très mec. Ah bah ouais, ah, t'es plutôt, en vrai, ça m'étonnait pas mec. Ça m'étonne pas trop. Bon bah écoute, en fait, de base, je suis une femme. On m'a rajouté des pecs et un pénis, ah ouais, mais de base, j'avais rien. Non, je l'ai pas. Ouais. Non, désolé, du coup, c'est un peu mort. Du coup, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, malheureusement. De boule, mec. Même si je me greffe des seins. Pareil. Vas-y, passe ma journée. Aïe. Bon bah. Petit flop, bon bah. On voit la déception. Oh, attends quoi? Putain, mais il va trop vite. Clash la cam parce qu'elle faisait que se retourner, putain. Attention. Wesh. Excuse-moi. Oui. Je voulais pas te faire peur, je t'ai fait hyper peur. Plus, avant que tu prennes le métro, tu savais comment? Ok, enchanté. Enchanté. Je m'appelle Connor. Et bon, on dirait que ça sert la main. Comme le mec qui fait du MMA. En fait, je suis un sportif professionnel, ouais. Si tu veux. Enfin, je fais du UFC, je sais pas si tu vois. Non. Ok, en gros, c'est du... Je fais du UFC, hein. Un mec qui dit ça, les gars. Je fais du UFC. Eh, les gars, je fais de la NBA. Oh, putain. Du combat, c'est de l'art martial. Ouais. Et mais j'ai le dos complètement éclaté, ouais. À force de me battre. Et cherche une femme qui pourra me masser. Les gars, je fais de la Ligue 1 Uber Eats. Qui pourra me, en fait, prendre soin de moi. Ouais. Parce que je me suis dit, putain, ok, je suis bon, je commence à devenir le meilleur de ma catégorie. Des moins 70 kilos et tout. Mais sauf que personne prend soin de moi. Et c'est le truc qui manque pour devenir la meilleure. Parce que tu vois, Conor McGregor, il a une femme. Ils ont tous des femmes, tu vois. Hasbulla, il a une femme. Du coup, voilà. Vous êtes sœurs, non? Non, en fait, c'est sa meilleure pote. On est copines de classe et on est plutôt bonnes copines. Ok, du coup, est-ce que t'approuves le boxeur Connor pour ta copine? Je sais pas, hein. Si tu veux, je peux parler un peu de moi, de mes origines, de ma vie, si tu veux. Faut demander à elle. Bah, je te demande à toi, du coup. Bah, t'as quel âge, déjà? Moi, j'ai 20 ans.
Voilà. C'est la seule. Ouais, c'est bon, frère. Elle met la barre entre ses deux fesses, là. Wesh, elle veut serrer ou quoi? Tu voulais savoir. Je commence ça, frère. Elle se met la barre. Écoute, dans le boule. Je prends ton numéro. Là, j'ai un combat ce soir, du coup, je dois pas trop me déconcentrer. C'est bon, frère. Probablement, je vais pas te reparler d'ici quelques semaines parce que j'aurai. Mais j'arrête! Arrête! Du coup, voilà. Vous êtes sur Paris? Ouais. C'est des bons massages? Ça! Ça, c'est fort. Attends. 07? Ouais, malheureusement. Mais enfin. Ok, vas-y. T'envoie des bisous. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Vas-y. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wesh, mais il en a sa 50e meuf, frère. Il est trop fort, là. Tu parles français? Ok, t'es de Paris? Hein? T'es de Paris? Oui. Ok, super. Attends, je vais aller par là-bas, mais non. Mais t'as de super beaux yeux. T'as bien fait de pas mettre tes lunettes, parce que si t'avais mis tes lunettes, je les aurais pas vues. On serait loupé et je serais pas venu te parler. Tu t'appelles comment? Ellie, ça sert à rien. Eh, ça me fume à chaque fois. Quand il dit son blaze, il y a un petit chat. J'ai pas le Covid, je te rassure. T'es vacciné? Non, mais je l'ai eu. T'as quand même le pass sanitaire, tout ça. Voilà. Et du coup, on peut se parler sans masque. Oui. J'aime bien ton tatouage. Merci, c'est gentil. Écrit quoi? C'est en grec, ça toujours. Oh, enfin, c'est joli. C'est t'es grec? Mignon. Ah, ok. T'as souhaité que j'étais pendant les vacances en Grèce. Là maintenant, c'est One Life. Ouais. One Life. Bah écoute, moi je suis un peu pressé, mais des yeux comme ça, je peux pas les laisser passer. Du coup, je suis chaud. Je prends ton hume. On se parle. Du coup, t'es de quelle origine, si t'es pas grec? Je suis française-australienne. Australienne. Française-australienne. Ouais. Tu parles anglais du coup? Ouais. Avec l'accent australien ou pas? Ouais. Ah, might. J'allais dire, on aurait pu se parler, mais j'allais rien comprendre. Might. Attends, ton prénom, t'as dit? Fort. Crocodile. Vas-y, bisous. Vas-y, je t'envoie un message. Hein. Salut. Les ballons de saga. Putain, mais moi c'est con parce que je pars en fait de Paris quoi. Moi j'achète. Je sais pas ce que je voulais dire, frère. Ok, vas-y, on se fait encore une ou deux d'approche parce qu'on a compris. Il est trop fort. Pour une fois, le mec est trop fort, on peut pas vanner. Moi, quand je regarde ses vidéos, c'est juste pour vanner les mecs qu'il y a dedans. Voilà, là je peux rien dire. Il réussit tout. Bonsoir, excusez-moi, vous parlez français? Oui. Ouais, ok, vous êtes de Paris? Non. Ok, vous êtes d'où? Moi, Lyon, mais je... Ouais, Irlandais. C'est pour ce pantalon de... C'est pour ça, tu parlais anglais, là? Non. Excusez-moi, on pensait... Ouais. Je vous déconseille de mettre votre téléphone avec ça. Okay, merci. What? Ah, pas mal. Ah, c'est... il mettait le pantalon dans la poche d'arrière, du coup la meuf elle lui a dit ouais, fais attention. Non mais sérieusement, je t'ai vu là-bas de loin et j'ai flashé. Flashé. Sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te veux en fait. Voilà, ok. What? Tu t'appelles comment? T'as rougi un peu, c'est mignon. Elle est mignonne. Ok, je m'appelle Ellie. Mm-hmm. Et toi c'est? Qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça du coup? Bah moi je dois rentrer en Irlande demain. Ah, tu vis en Irlande? Mm-hmm. Tu fais quoi en Irlande? Bah j'habite là-bas. T'habites pas ici? Ouais, je parle tu rentres français, demain hein. Ce soir tu fais quoi? Je sors avec elle. Ok. Je sors avec elle, moi ce tu soir. Tu as des amis Moi j'ai un ami, un très bon ami. Qui habite dans le plus beau quartier de Paris. Wesh, elle veut faire une doublette là où je rêve. Du coup voilà, il parle, il aime bien la Guinness. Pas mal. Moi je déteste la Guinness. Ouais. Mais je déteste la Guinness. Toi aussi t'aimes pas? J'adore le vodka. Arrête de me regarder comme ça. Non mais tu me regardes comme ça, c'est... Ça je me rends... Tu es très drôle. Tu me rends toute chose. Ok. Ouais. Regarde pas. Ouais, cache-toi. Non mais tout. Et je t'enverrai un message. Je suis mort. Toi. Quoi? Mm-hmm. C'est quoi? Je viens c'est une de. Lisse. Oui. On a juste fait là. Oh shit! Et on smiley. Tu sais pas pourquoi? One life. T'as d'autres tatouages? Ouais. Bonsoir. Un là. Bonsoir. Et elle. Montre. Ciao. Oh là là. Sexy de ouf. Très bah fort. Vas-y, bah moi je dis ce soir on se découvre nos tatouages mutuels, ok? C'est ça? Attends, t'as pas mis ton. Mais je crois que tu dois ajouter. 3, 5, 3. Ah ok, parce que c'est un numéro irlandais. Ouais. Non mais là... déshabillez-vous tout de suite là, hein. C'est bon là après. Hein. Putain.
J'ai Instagram mais j'utilise pas, mais pour toi je vais faire un effort. Ok. Normalement je suis jamais dessus. Hein. Mm-hmm. Et tu fais quoi ce soir? Ce soir qu'est-ce que je fais? Bah ce toi. Soir. Ce soir. Ce soir je fais toi je pense. Oh. Pas mal. Hein. Oh. Ok. You said me. Vas-y. Okay. Vas-y on fait ça. Bisous. Okay. On a enregistré ça. La vie de ma mère, même moi j'ai pas capté. Tu vois que. Mais il est trop fort hein. Il est beaucoup trop fort là. Hey yo, t'as un sale drip. Hey yo, t'as un sale drip, man. Non, c'est réel, il est beaucoup trop fort, les gars. Il est trop fort, carrément. Carrément, je m'arrête là, tellement il est trop fort. Carrément, je m'arrête là. Bah oui, mais là c'est. Hey yo, t'as un sale drip.